c'est Sturé, bienvenue pour un nouvel épisode de mon incroyable carrière sur WWE 2K20. Vous la voyez? C'est pas la mallette, c'est le script! Le script des enfers, le script du jeu qui est buggé, qu'on va aller devoir chercher au-dessus du ring à SummerSlam. Et c'est l'entrée de Just Tucker. Ah merde, il faut que je chante. Just Tucker, il est bien content de vous retrouver pour un nouvel épisode de ma carrière sur WWE 2K. Est-ce que c'est un bon jeu? Ah là là, achetez-le. Jouez à Spot Carrière, qui est totalement incroyable. Ah là là. L'inspiration me manque. The Stalker, il a pas compris que pour être un catcheur, fallait pas de pic autour du cou. Parce qu'il a un collier avec des pics autour du cou, mais ça sert à rien en fait. Il s'en sert jamais. C'est comme McIntyre. McIntyre, il a une épée, il s'en sert jamais. Ils sont vraiment cons les catcheurs. Hein. Mais The Stalker, il a une belle moustache. Et c'est ça qui va faire qu'il va gagner ce soir. Allez, on y croit. The Stalker contre le Miz, dont on connaît l'entrée, voilà, M de Miz, I came to play, there's a price to pay, time to get on your knees, et ben voilà, time to get mon pied dans ta gueule, le pied bouche, porté par The Stalker de manière particulièrement étonnante, bon, qui a voulu tout de suite enchaîner avec un kata, mais c'est pas grave, il va contrer le Miz justement, et il va lui porter une incroyable belly to belly over the head suplex avant d'aller chercher la première échelle à l'extérieur du ring, parce que bon, j'ai pas un grand souvenir de mes dernières performances dans les matchs de l'échelle. Je pense que vous vous en souvenez, c'est un épisode qui a été diffusé récemment et qui est forcément l'un de vos épisodes préférés de l'histoire même de cette chaîne de ces sales catchs. Voilà, tous les trucs que je fais, les délires avec mes personnages incroyables et qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, c'est totalement à chier. À côté de ce qui va se passer dans un petit instant, me retrouver, Sturi, en galère, dans un combat de l'échelle pour ce dernier épisode de cette trêve estivale. Puisqu'à un moment, je deviens fou sur cette session d'enregistrement que moi, je tourne d'une traite. Vous avez les épisodes qui vous ont été distribués à petite dose. Mais moi, j'ai dû tourner ça tout d'un coup. Voilà. Donc à un moment donné, vu que le jeu veut pas se terminer, c'est moi qui vais décider de terminer le jeu. Ah, je sais que ça va être tristesse. Vous allez dire, Sturi, non mais l'Hero Recap arrête. Ensuite, joue à WWE 2K20. Certains me disent non, je le sais, hein, je le lis également, c'est quand le prochain épisode de TEW qui a déjà été diffusé, je le rappelle, vous avez eu la fabuleuse histoire du catch américain, à un moment, on régale ou on régale pas. Voilà, magnifique German Suplex de la part de Just Tucker avec beaucoup d'autorité, Just Tucker qui est désormais votre personnage préféré, tout le monde me réclame, mais quand est-ce qu'on a un t-shirt de Just Tucker? Et ah, jambes roulées, Captain Limino, Bilino, jambes roulées de la part du Miz. N'a pas compris les règles du match. Parce qu'il faut grimper à l'échelle, pas faire des jambes roulées, ça ne sert à rien. Ah, mais il fait des grosses cordes à linge. Et il m'empêche de grimper à l'échelle, mais c'est pas grave, j'ai encore des contres. Bah là, il va falloir que je fasse gaffe, j'en ai plus qu'un seul. Donc c'est pas grave, German Suplex à nouveau sur le Miz. Il va peut-être prendre un petit temps, voilà, pour me laisser installer l'échelle. On va lui mettre un coup d'échelle. Ah, il a utilisé un contre, le con. Ça va, il a plus de contre, il a plus de contre. Ah mince, mais je suis pas... Positionner l'échelle. Eh ben, qu'est-ce qui se... Mais non, mais je me suis cassé le cul à la peau. Je déteste les matchs de l'échelle. C'est incroyable. Mais même IRL, hein, IRL, les matchs de l'échelle, ça commence de plus en plus à me gaver. Mais alors là, ah bah c'est bien, il est enterré sous 4 échelles. Voilà, on va pouvoir commencer à aller jouer à ce mini-jeu. Ce mini-jeu de ces grands morts. Qui me veut tellement de bien, vous le savez. Pour aller décrocher un script. Putain, je pouvais rentrer là, 1000 fois. Mais il peut pas rentrer, le con. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? On peut pas rentrer? On peut pas gagner le match? Non, bah je vais descendre gentiment. Mais non, mais laisse-moi descendre gentiment, enfin! Au lieu de me faire asseoir, il veut que je m'assoie. Il pète mon genou. Ou alors on peut pas grimper à l'échelle tant qu'il a pas la santé dans le rouge. Ah non! Il y a une condition avant ça. Infliger un coup de coin à The Miz quand il est dans le coin. Un coup de coin quand il est dans le coin. C'est vrai que le jeu a eu cette tendance à nous prendre par la main et à nous prendre pour des cons. Un coup de coin quand il est dans le coin. Très bien. Allez, hop, je prends ta guibole et laisse-moi le Miz, hein, sans te commander, bien entendu, t'amener dans le coin. Non, dans le coin. Il va dans les cordes, il a rien compris. Non, dans le coin, va dans le coin. Voilà, dans ce coin-là, j'ai choisi, voilà. Et je te mets un coup de coin.
Infliger un coup de coin quand il est dans le coin, vous voulez quoi d'autre? Que je le dessine? Ah ben voilà! On est parti pour les Ten Punch à la manière de Cody Rhodes. Ça, c'est un vrai américain. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une musique random. Ah, c'est la musique de Brooklyn Von Braun. Je suis sûr qu'elle s'en mêlerait ce soir. Ah bah dis donc. Je comprends, elle veut que The Miz l'emporte pour avoir un partenaire légitime dans le film. Eh oui. Oh, mais attendez, Princesse Thury qui va empêcher que Brooklyn gâche le match. C'est de la jalousie pure et pure. Thury n'a jamais réussi à battre Brooklyn. Mais c'est ridicule, enfin, elle essaye juste d'aider son pote très. Voilà, on dirait qu'elle a réussi. Elle a neutralisé l'attaque. Et on peut revenir à l'action avec... Oh, le coup du facteur. Il est passé entre la deuxième et la troisième corde. Il n'est pas éliminé. Il peut intégrer le Royal Rumble quand il le veut. Il est en avance d'ailleurs parce que le Rumble est en janvier. Là, on est au mois d'août. Donc voilà. Gagner le match en attrapant la mallette. Mais non, faut pas démonter l'échelle. Il a rien compris, lui, au principe. Voilà. La musique veut pas s'arrêter. Mais arrêtons cette musique, enfin. Là, maintenant, on peut... Voilà, maintenant on peut faire le mini-jeu. Merde, j'y arrive pas, je suis vraiment nul. Je suis vraiment une grosse truie violette, moi. Et allez, bah, qu'est-ce qu'il veut, là? Le Miz, là? Oh, ça va! Clac! Clac! Ah, il nous a fait chuter! On choie et on chue! On choie et on chue! Et pendant ce temps-là, le Miz, il va décrocher le script qui est dans une mallette! Parce qu'ils ont pas modélisé un script, ils ont juste modélisé une mallette. Et je suis incapable de remonter sur mes guibolles alors que le Miz va gagner le match. Incroyable. Quel jeu de grand con. Le Miz va gagner. Voilà. Et ça servait donc à rien. Vainqueur du Miz. Et le fail reste fort. Me dis pas qu'on va devoir refaire le match en entier. SummerSlam. Oh putain, faites descendre la santé du Miz dans le jaune. Allez. On est ravis, c'est le dernier épisode qu'on vit ensemble. Un épisode qu'on vient de perdre. Où là, les gens ont misclic, hein. Ils ont dit, pourquoi on met des dislikes à cette vidéo? On était venu voir le scénario avancer, pas voir Sturi galérer. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Comment on appelle ça, Captain Bilino? Jambes roulées? Au bras à la volée, porté par The Stucker. Mais ça vous gave autant que ça me gave moi-même. J'espère que vous en avez bien conscience, que tout le monde s'éclate, tout le monde s'amuse. Non mais c'est quand même un bon jeu. Puisque on passe un bon moment, on rigole. Enfin pour moi je suis seul. Je t'avoue que là si j'avais eu un petit chat, un petit regard complice, j'aurais été ravi. Moi je décide de faire ça, tu vois, comme un sangouin. De tourner ces épisodes en pleine nuit avant de me barrer en vacances. Pour que vous ayez des contenus sur la chaîne C'est Sale Catch et pas vous faire chier, tu vois, à 4h du matin. Voilà, et vous êtes tous ravis de voir mes katas. Les katas restent forts, bien entendu. La santé du Miz, voilà. Par contre, là, on a décidé qu'on allait dérouler un putain de bois. On peut aller infliger notre coup dans le coin au Miz et déclencher la prochaine cinématique qui va voir Brooklyn Von Braun intervenir dans le match. Alors, oui, parce que je connais déjà un petit peu le scénario. Je sais pas si vous connaissez. Parce que là, clairement, c'est Eugène Saccomano. Hein. On refait le match. Il veut pas rester dans le coin, le Miz. Allez, on le remonte. L'incroyable cinématique. Du coup, dans le coin, l'intervention de Brooklyn Von Braun qui arrive. Désormais avec une nouvelle musique. Changeons la musique de Brooklyn Von Braun. Ah, mais qu'est-ce qui se passe, Captain Bilino? C'est Brooklyn Von Braun. Ben, je suis sûr qu'elle s'en mêlerait ce soir. Je te comprends. Elle veut que The Miz l'emporte pour avoir un partenaire légitime dans le film. Ah, mais qui voilà, c'est Princesse Thury qui veut empêcher Brooklyn d'interférer dans le match. Mais c'est de la jalousie pure et dure. Thury n'a jamais réussi à battre Brooklyn et j'ai toujours pas su rien à la suite. C'est ridicule, elle essaie juste d'éteindre son pas de trait. On dirait qu'elle a réussi. Raid a neutralisé Brooklyn et elle retourne en coulisses. Ah là là. Et ah, oh, le coup du facteur. Le coup du facteur. Entre la deuxième et la troisième corde, le Miz. Qui va pouvoir participer au Royal Rumble, il est toujours pas éliminé, mais il est un peu en avance parce que le Rumble c'est seulement en janvier, c'est pas en août. Voilà, maintenant il faut gagner le match et attraper cette putain de mallette. Putain, si je perds le match une deuxième fois. Je sais pas. Je fais un top 10.
Top 10 des meilleurs moments sur WWE 2K20. Allez, les gens. Oh non, le top 10 des meilleurs matchs de l'année 2020 qu'on a jamais eu. J'ai fait un choix. À un moment, Sturi, il a fait un choix. C'était soit le top 10, soit on poursuit la carrière. On regrette ou on regrette pas maintenant? Sans déconner, on regrette pas. On regrette pas. Ah, c'est ça le catch. C'était mieux avant. Ouais, mais avant, c'était déjà ça. C'est ça qui est génial. C'était mieux avant. Mais non, c'était déjà ça avant. Les coups de pied du Miz qui revient avec des grosses béquilles à la manière d'Emmanuel Macron. Ça aussi, c'est une blague. Je recycle un petit peu tout mon humour. C'est même pas d'épisode en épisode, c'est Inception. C'est dans le même épisode que je fais les mêmes blagues. Il y a trois mecs dans le public qui chantent Let's Go Miz. Voilà, belle esquive de la part de Just Tucker qui revient avec un bulldog. Cette incroyable prise de catch, ce chien, bien entendu, c'est également un chien, le bulldog, vous le savez. Et là, mais ramasse, mais ramasse. Mais faut pas grimper à l'échelle là. Il y a une erreur de perspective, tu vas pas l'attraper. Mais qu'il est con. En plus d'être con, il est con. Voilà, belly to belly over the head. Allez. Allez. Allez! Cassez-vous! Non, mais pas casser l'échelle, il faut la récupérer l'échelle. Voilà! C'est bien! Punaise, on arrive à comprendre un peu comment ça fonctionne. Très bien, impeccable! Ramène la chaise dans le ring. Pas la chaise, l'échelle, bien entendu, l'échelle. Bon, tout le monde m'a compris, évidemment. On place! L'échelle! On grimpe! L'échelle! On attrape la mallette. Et je vais attendre que ça fasse un tour. Alors oui, je sais qu'on peut aller chercher le truc autrement. Oh, mais il fait chier le Miz. Mais non, mais... Mais évidemment que non. Voilà. C'est ça qu'on veut à un moment donné. Allez. Putain, mais ça rentre pas. Mais vous avez pas mis de lubrifiant, ça rentre pas. Ah bah quand même. Non mais attendez, je suis en plein dedans. Mais allez, jeu de ses morts. Bon, on a fait la moitié du travail. Pour que le Miz en profite derrière et gagnons 2-2. Parce que ce jeu veut un top 10 sur les meilleurs matchs de l'année. Il est revenu, le con. C'est lui qui pousse. C'est lui qui pousse et qui va aller décrocher la mallette. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Je suis en train de rouler avec l'extérieur du ring et lui, il y arrive du premier coup. Il a fait mallette dans sa vie, mais c'est pas permis. On va trouver une date hein, pour le top 10 des meilleurs matchs de l'année 2020. Oh mais j'ai pas que ça à foutre. Est-ce que vous êtes content qu'on passe ensemble un incroyable moment sur WWE 2K20 pour ce dernier épisode ever? Est-ce qu'on va la poursuivre cette carrière? Est-ce que je vais me risquer à faire enfin mes heures Twitch pour passer partenaire sur ce jeu totalement fou? Là, en tout cas, les compteurs sont ouverts. Un dive à l'extérieur du ring qui fait plaisir à absolument tout le monde. Bien entendu. Voilà, je suis ravi. Je pop un peu avec les gens. Notamment avec Michael Cole, Corey Graves, Byron Saxton. Aucun des trois n'a été licencié à la WWE, ce qui est quand même quelque chose d'incroyable. Le coup de genou sur le Miz. On enchaîne avec des petits coups de pied parce que ça mange pas de pain. On place le Miz sur nos épaules. Dead Valley Driver. Je vais aller chercher un objet contendant sous le ring. On va aller prendre une chaise. Voilà. C'est mérité. Hein alors, le Miz mérite. Acheter le t-shirt. Bon, le Miz, il veut pas acheter le t-shirt. Il veut pas acheter son propre t-shirt. Incroyable. Incroyable. Allez, Fury, il faut faire quelque chose. Il faut mettre le Miz dans le coin.
Le Miz dans le coin. N'aurait pas joué avec l'échelle, enfin. Pas joué avec l'échelle. Quel con. Mais quelle erreur de la nature, celui-là aussi. Bien. Le Miz qui a décidé de grimper à l'échelle, peut-être pour déjà commencer. Et tu sais ce que je dois faire, là. On va le laisser avancer un petit peu le bazar. Avant d'aller l'empêcher d'avancer le bazar. Histoire que le travail, tu vois, une partie du travail soit déjà bâchée. C'est ma nouvelle stratégie pour un monde meilleur. C'est de laisser le Miz, tu vois, faire une petite moitié. Faire même un peu plus que la moitié. Parce que, con comme je suis, je vais pas réussir à faire beaucoup mieux. Et... Mais j'arrive pas à aller le chercher. Si. Voilà. Putain, j'ai eu peur. Voilà, mais la mallette va être beaucoup plus simple à aller chercher. On est quand même passé à deux doigts d'un incroyable fail. Non, mais... Et voilà, Power Bomb Bleu aussi, fait quelque chose. Laisse-le pas quand même à portée du truc. Bon, il faut pas faire le con, maintenant, il faut dérouler. Hein. Sturi, hors de question de failer quoi que ce soit, désormais que la situation est autant en contrôle. Mais qu'est-ce qui se passe? Il fait Cody Rhodes, là, dans le coin du ring, et... Oh! Ah, mais qu'est-ce qui se passe? C'est Brooklyn Von Braun! J'étais sûr qu'elle s'en mêlerait ce soir. On nous remonte. Je la comprends. Elle veut que The Miz l'emporte pour avoir un partenaire décent dans le film. Mais Red veut empêcher Brooklyn de gâcher le match. Voilà. Elle se venge d'elle parce que pendant les auditions, etc. J'étais lire la fin de la phrase, comme ça au moins je l'ai lu. C'est ridicule. Elle essaie juste d'aider son pote trait. Là, on dirait qu'elle a réussi. Red a neutralisé Brooklyn et elle retombe dans les coulisses. Et ah, le Miz, le coup du facteur. Bah ça tombe bien. Il n'est pas éliminé du Royal Rumble parce qu'il est passé entre la deuxième et la troisième corde. Mais le Royal Rumble seulement en janvier. Là on est au mois d'août. Il serait pas un petit peu en avance, le Miz. Vous sentez l'agacement dans le ton de ma voix là. Moi je sais même pas poser une échelle. Alors attends. Attends. Parce qu'avant de faire quoi que ce soit là. Vu que l'heure est grave. Non, non, mais il est dans le coin, connard. Voilà, bien, impeccable. Donc ça, ça va. Ça, ça va nous redonner un petit peu de confiance. On va lui porter un coup spécial. Ce bâtard, il nous l'a contré. Bon, je vais le contrer à mon tour. Hurricane Rana ! Incroyable ! Un homme d'un tel gabarit qui pratique un Hurricane Rana. Et il est con, pourquoi il enlève l'échelle alors qu'il l'avait bien posé ? Un bulldog ! Et c'est pas un chien, Bulldog. Il descend à l'extérieur du ring. C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Je suis à la bourre. Non, c'est bon. On a décroché. Stratégie payante. C'est une victoire de The Stalker. Oh bordel. Je pensais que j'allais jamais y arriver. Dans ce grand match de ses morts. Mais... On a récupéré le script, et c'est bien. Parce que j'en ai marre de jouer à ce putain de jeu. Ah là là. Mais ouais, on a gagné, c'est super, des pouces bleus. Et tout le monde reste fort, puisqu'on va arrêter là. Ah ! J'en peux plus. Allez ! C'était un plaisir en tout cas de vous retrouver sur cette incroyable carrière sur WW2K20 de ces grands morts. Mais avant de partir, histoire de se frustrer, parce que je n'ai pas envie que vous partiez en vous disant « Ah, mais on veut voir la suite !» Allez quand même, regardez, parce que là, je...